à marée haute avec une forte intensité. Kassim Doumbia nous emmène voir la mer qui borde de Chipagan. Sur la côte, une situation urgente le préoccupe. Est-ce que c'est gelé ici habituellement? Habituellement, c'est gelé. Sur une bonne partie, mais comme je dis, on a un hiver assez doux. En cette fin janvier, on voit bien les vagues, belles mais inquiétantes. On a perdu 15 à 20 pieds de terre au courant depuis le mois de juin, je vous dirais. L'érosion menace la municipalité et Kassim Doumbia cherche des solutions. Bienvenue dans la salle du conseil municipal. La salle où il a d'abord été conseiller en 2012, puis maire adjoint et enfin maire depuis 2021. Il y en a qui ont été des bâtisseurs, donc de voir également que je suis sur le même mur qu'eux autres pour justement guider cette municipalité, là, ça me touche beaucoup. Kassim Doumbia vit au Nouveau-Brunswick depuis qu'il a quitté l'Afrique il y a 24 ans. Il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi au Sénégal et à 19 ans, il voulait partir à l'aventure. Moi, je voulais m'expatrier, aller vivre une autre expérience, un peu comme les jeunes de mon temps. On voulait tout à soi aller en France, aux États-Unis, Canada. Il a choisi l'Université de Moncton où il a vite tissé des liens avec les Acadiens. Il n'est plus reparti. Sa femme est originaire de Chipagan. Ils ont deux enfants. Je suis un pur produit du Nouveau-Brunswick. On va dire ça comme ça. Salut Joanie. Bonjour Kassim. Ça va bien? Ça va bien toi? Kassim Doumbia a multiplié les occasions de se faire une place au Nouveau-Brunswick. Il a joint plusieurs associations. Il a travaillé pour un vice-premier ministre provincial. Il intervient souvent dans les médias. Non, vraiment, je vous dirais... Non, j'ai pas eu vraiment de problème d'intégration. Moi, la communauté, j'y vis, j'y crois, c'est chez moi. Et la mairie le passionne. J'adore ça. Je vous dirais, être avec le monde, moi, ça m'anime. Puis voir le développement également, ça m'anime également. Donc, les deux, ça va de pair. Donc. L'Université de Moncton a un campus à Chipagan qui accueille de nombreux étudiants africains et qui voit en Kassim Doumbia une source d'inspiration. Ça prouve quand même que les Africains peuvent bien collaborer avec les Blancs ici à Chipagan et occuper de très grands postes. En plus, ça me rassure. Là, si j'ai un problème, au moins je sais avec qui me tourner. Quelqu'un qui vient du même continent que moi. Puis, comment avance votre projet du Gala des bénévoles? Son message aux jeunes, c'est que oui, c'est possible de réussir ici, que l'on soit d'Acadie ou d'ailleurs. On le voit au niveau fédéral que le visage de la politique a changé. On a des ministres qui sont originaires de l'Inde, de la Somalie, d'Afrique et autres, et qui contribuent justement avec cette diversité à façonner notre Canada. Donc je me dis, à un moment donné, le Nouveau-Brunswick va se rendre à ce niveau-là aussi. Techniquement, ça, c'était comme... Entre-temps, il a beaucoup à faire pour protéger son chez-lui. C'est long, là. Enrocher tout ça, on parle de millions de dollars. Je pense pas que c'est la solution non plus. Kassim Doumbia s'engage à poursuivre le combat contre l'érosion, notamment pour sa communauté et pour les prochaines générations. Ici Michel Brideau, Radio-Canada, Chipagan.